Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'affaire Sacco et Vanzetti. Il s'agit d'une affaire judiciaire et politique qui a concerné dans les années 20 deux militants anarchistes d'origine italienne vivant aux États-Unis. Accusés de braquage, ils ont été condamnés à mort dans des circonstances assez gênantes au niveau de la régularité du procès, puisque plusieurs éléments viennent mettre en doute la bonne tenue de celui-ci et que leur culpabilité n'a jamais pu être établie. Leur innocence non plus n'a pas pu être prouvée, mais quand même plusieurs éléments font penser qu'ils étaient innocents. Cependant, ils ont quand même été condamnés à mort, ce qui a été la cause d'une grande mobilisation internationale pendant 6 ans pour les défendre, et même si elle a échoué, bah ça a quand même été une démobilisation marquante des années 20 pour le mouvement ouvrier, qui a marqué l'histoire, et donc nous avons tenté de revenir sur ce mouvement, mais également de faire le point sur ce que l'on sait sur les faits qui leur ont été reprochés et qu'est-ce qu'on a comme élément contre eux, mais également en faveur de la thèse de l'innocence. Donc nous allons voir ça tout de suite.